Bonjour, bienvenue sur le site Apili, le site dédié à la méthode de lecture Apili et aux apprentissages. La méthode Apili est une méthode d'apprentissage de la lecture syllabique et gestuelle dont le fil conducteur est l'humour. Il m'aura fallu 6 ans pour créer cette méthode car je souhaitais créer la méthode de lecture la plus efficace, la plus enthousiasmante pour les enfants, en particulier pour les enfants qui présentent des troubles des apprentissages. Pourquoi l'humour ? Lorsque j'étais jeune orthophoniste, je me demandais comment je pouvais aider efficacement les enfants qui venaient me voir, qui étaient en souffrance face à la lecture. J'ai pris l'habitude de leur écrire des phrases amusantes pour les faire rire. Et je me suis rendu compte alors que l'humour changeait tout pour ces enfants. Ces enfants qui étaient auparavant en souffrance se sont transformés en enfants extrêmement motivés pour apprendre à lire. Des années plus tard, j'ai lu de nombreuses études portant sur l'humour et les apprentissages et c'est là que j'ai réalisé que l'humour a des vertus extraordinaires. L'humour améliore l'attention, la mémorisation, la motivation, la communication, diminue le stress et réduit les tensions corporelles. Afin de déterminer la progression idéale de la méthode, je me suis appuyé sur les recherches de Stanislas Dehaan, un grand neuroscientifique spécialiste de la lecture. En plus de l'humour, j'ai sélectionné pour Apili les moyens d'aide les plus efficaces pour aider les enfants les plus en difficulté. Des images de référence qui sont là pour s'appuyer sur la mémoire visuelle des enfants, des bouches qui symbolisent l'articulation du bruit que font les lettres, des gestes pour les enfants qui privilégient la mémoire kinesthésique, la mémoire du corps. Au début de la méthode, les syllabes sont en couleur, car il était prouvé que les syllabes en couleur aident les enfants dyslexiques. Nous avons choisi une police de caractère très facile à lire et de grande taille. Il y a également pas mal d'espace entre les phrases afin de ne pas surcharger l'enfant sur le plan attentionnel. Le fond est légèrement bleuté afin de réduire la fatigabilité oculaire des enfants. Nous avons également ajouté le symbole des vibrations des cordes vocales qui aide les enfants qui font des confusions de sons. La méthode Apili débute par l'apprentissage des voyelles à l'aide d'une histoire humoristique avec un pompier qui vient éteindre une école en feu. Ensuite arrivent les premières lettres, des consonnes longues. La combinatoire, le mécanisme le plus important pour les enfants qui apprennent à lire. Il s'agit de fusionner une consonne et une voyelle et les dire d'une seule voix. Par exemple, F, A, Fa. La méthode Apili est une méthode complète qui débute donc par les voyelles et qui va jusqu'aux graphies les plus complexes, aux sons complexes et aux mots irréguliers. Les illustrations de la méthode Apili ont été réalisées par Rémi Tornior, un illustrateur talentueux. Elles favorisent grandement la motivation des enfants. En plus de l'humour et de tous les moyens d'aide pour les enfants en difficulté, j'ai souhaité ajouter à la méthode Apili de nombreux conseils pour les adultes qui accompagnent les enfants qui apprennent à lire. Tous ces conseils sont signalés par des pictogrammes, il vous suffira simplement de lire ce qui est écrit pour aider votre enfant. À quel âge commencer la méthode Apili ? Les études prouvent que l'âge génétique pour apprendre à lire est de 6 ans. Cependant, pour les enfants en difficulté de langage ou qui sont prêts à apprendre à lire plus tôt, on peut tout à fait leur apprendre à lire à partir de 5 ans. Depuis la sortie de la méthode Apili, de nombreux parents m'envoient des témoignages, des photos, des vidéos et m'expliquent que leur enfant de 4 ans, 4 ans et demi arrive à lire des syllabes, des mots et même des phrases. J'espère que la méthode Apili va aider de nombreux enfants à apprendre à lire avec le sourire. Si vous souhaitez plus d'informations ou nous suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, facebook.com/apili.fr ou vous inscrire sur notre newsletter. À bientôt !